Ce jeudi 19 octobre, Claire Caïmé et Nick Gautry se redonnent la réplique dans la seconde saison de la série policière Vise le cœur. Un programme diffusé sur TF1 qui aurait pu ne pas aller jusqu'au bout en raison des désaccords entre les deux acteurs. Ce n'est pas parce qu'on s'entend très bien que l'on est forcément d'accord sur tout. Claire Caïmé et Nick Gautry illustrent parfaitement cette phrase. Les deux acteurs se retrouvent sur TF1 ce jeudi 19 octobre. Ils réendossent les rôles de Julia Scola et Novak Lisica dans la série policière Vise le cœur dont la nouvelle saison s'apprête à être diffusée. Une aventure qui leur donne le sourire mais qui n'a apparemment pas été de tout repos non plus pour les deux héros. Interviewé par le magazine Télé Loisirs publié le 2 octobre 2023, Nick Gautry a réagi à la rumeur qui évoquait des frictions entre lui et sa partenaire Claire Caïmé. S'il admet qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, il écarte une quelconque dispute avec la compagne de Bichente Lizarazu, si est-il une mauvaise interprétation, a expliqué celui qui est également au casting de Meurtra. Programmé sur France 3. Claire a dit à un journaliste que l'on s'était battu, mais c'était dans le sens où l'on voulait défendre nos idées. Très impliqué pendant le tournage, il était important pour Claire Caïmé et Nick Gautry de faire entendre leurs opinions, sans pour autant que cela mette en péril la fiction. On aime tous les deux la série, on a envie de s'investir, a rappelé l'interprète de Novak Lisica. On ne peut pas toujours être d'accord. Quand on ne l'est pas, on se le dit. Si est-il plutôt sain. Mais si est-il du travail. Nick Gautry et Claire Caïmé, une relation solide. Claire Caïmé et Nick Gautry sont, de toute façon, bien plus que des collègues de travail. L'acteur de 47 ans s'est également penché au cours de cette même interview sur la véritable nature de la relation et les liens forts qui les unissent. Claire Caïmé, l'actrice avec laquelle j'ai le plus tourné. On se connaît depuis longtemps, on est copains. Si cela avait été un calvaire, ni elle ni moi n'aurions voulu y retourner. Les deux amis ont notamment tourné ensemble pour le téléfilm d'Arnaud Mercadier, Nom de code, Rose.